Donc, salut les petits chums, on se retrouve pour une deuxième vidéo de GX japonais. Donc, vraiment, c'est vraiment nice. Regardez la petite boîte, comme j'avais montré, des Flareon. Donc, j'avais déjà ouvert la moitié de la boîte. J'avais dit que j'ouvrais 5 packs, mais la première vidéo, finalement, j'en ai ouvert 6. Donc, il va me rester 4 packs à ouvrir. Donc, on va essayer d'avoir un Charizard ou un Zekrom à l'intérieur de les 4 packs qui me restent. Donc, voici toutes les poules qu'on a eues dernière shot. Donc on a vraiment eu des belles cartes, excusez-moi. Donc on y va pour le premier paquet sur 4 qui me reste. Donc Tag Team GX, japonais. Donc on ouvre ça par en bas. Oh. Ça l'ouvre comme ceci. Et voilà, donc c'est deux cartes à tasser. On met ça au-dessus pour on peut guess l'énergie. Donc énergie métal. Oh yeah, on l'a eu. Oh, regardez les cartes comment elles sont belles. Donc un autre reverse. Donc Pikibek. Petit Rogue. Pharass. Donc un trainer. Un autre trainer. Dugtrio. Allo Alan, Dugtrio. Ouh, Volcanion. Ou Volcanorak, ce genre. Oh, wow. Au prisme, donc c'est un stadium. Puis pour notre rare, on a eu un Primarina GX. Donc Primarina GX pour la première GX sur 4. Donc on va mettre les 4 rares en sleeve. Et voilà. Donc on continue. Deuxième paquet. Tag Team GX, donc c'est vraiment en japonais comme vous pouvez voir, c'est vraiment cool. J'ai acheté ça à un gars sur internet qui en avait plein, donc j'ai trouvé pas cher comparé au prix que je trouvais qu'il y avait sur internet là. Une, deux, donc énergie, oh, énergie feu, oh wow, regardez le trainer quand il est vraiment cool, c'est vraiment une art old school là. Porygon, Magnemite, Salamence, un Stadium. Ah, il y a un Chicky Lark, c'est fucking nice. Avec des Pikachu en arrière, Gatterpie, oh, c'est Widow, Voltorb, ça a l'air d'être Bulbasaur là, c'est Clefairy. Oh, Jirachi, en holo, vraiment nice. Zapdos, Zapdos holo. Et, ouh, Togepi, avec ses petits chums, Tag Team. Donc ça, c'est une carte Cosmic Eclipse, vraiment nice. Super beau pool. J'adore cette carte-là. Là. Super belle art. Donc, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est à peu près 10$ chaque paquet. Écoutez, si vous êtes capable d'en avoir à moins cher, allez-y. Donc, on y va deux cartes encore une fois. Donc on va dire énergie psychique. Ouh, yes sir, énergie psychique. Wouh, wow. Donc Porygon 2. Jolteon. Ouh, wow. Mimikyu. Trainer. C'est pas un trainer, je veux dire un objet. Un energy. Et on a Mewtwo! Yes! Dans la dernière vidéo, on a eu Mew. Là, on a Mewtwo. Vraiment cool. Super carte. Oh! Ultra Prisme! Je veux dire Ultra Chimère. Donc, je sais pas ce que son nom à lui. Puis, on a un Tag Team Riolu Melmetan. Donc, vraiment nice! J'avais pas Riolu Melmetan. Je suis vraiment content de l'avoir. Super belle carte. Donc, on met nos cartes en sleeve. Et Mewtwo. Excellent. Donc on finit avec le dernier paquet. Tag Team GX.
Donc, est-ce que dans celui-là, on va avoir Charizard, les amis, ou Pikachu Zekrom? Ça serait vraiment nice. Le deck contient à peu près 500 cartes, je pense. C'est intense, là. C'est un des plus gros sets ever de cartes Pokémon. Donc, on y va. Énergie électrique. Énergie de combat. Oh! Vraiment nice. Purloin, si je ne me trompe pas. Hoppip. Un autre trainer. Pour un rare, on a Melmetal. Melmetal. Ensuite, on a... Oh, l'évolution Sneasel. Et pour notre dernière carte, mesdames et messieurs... Oh! Ultra rare Togepi, Clefairy, puis Iglytuff. Non, c'est Cliffa, Iglytuff, Togepi, ultra rare. Oh my god. Donc, vraiment, vraiment, vraiment nice carte. Ça, c'est ma plus belle carte qu'on vient d'avoir, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est une carte super world. Comme vous pouvez voir, il y a des petits cœurs, des petites étoiles... Wow. Ok, on va mettre les cartes en sleeve pour faire un petit résumé de ce qu'on a eu. Donc, allons-y avec les cartes rares. Holo. On commence, on a eu Melmetal. Innovation Sneasel. Mewtwo. Une Ultra Chimère. Une... Ouais, là, tu vois. Jirachi. Zapdos. Volcanion et un Stadium. Pour nos GX, on a eu Primarina, Riolu Melmetal, Togepi, Cliffa et Iglytuff, puis une autre version de Togepi, Cliffa et Iglytuff en GX. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc je suis vraiment content d'avoir eu ces poules-là. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Puis, je réponds à tous les commentaires. Donc, si vous me commentez un petit quelque chose, je m'en viens vous répondre, guys. Passez une excellente journée, une bonne soirée. Puis, si je retrouve d'autres GX pas trop cher, je me regarde dessus. Donc, passez une belle journée. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.